Salut à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve avec le Roublard aujourd'hui, non pas avec les cas flip. Ça va pas être un colicotis, je le ferai plus tard avec les cas. Je vais juste vous parler un petit peu de du Roublard parce que j'ai un petit souci. Niveau Kama, ça commence à être bien, je suis remonté à 22 millions. Je suis toujours dans mes stats, je suis toujours full sagesse, hein. Presque full pare-chaud partout, j'ai juste que 25 en force. Je dois encore vendre, voilà, tout ça, tout le stuff du Zobald. Et... je suis en train de monter une piute. Enfin, pas mal de trucs encore, je devrais arriver dans une trentaine de millions, je pense. Et... oh, les stylés sont crème-crème. Et je fais cette vidéo, bon, de toute façon avec vous je vais vendre les trucs et tout ça. Mais c'était surtout pour vous poser des questions parce que je sais pas du tout vers quel stuff me tourner en fait. J'ai plein d'idées super stylées, mais au final je me dis ouais non c'est peut-être pas si bien que ça. Voilà, attendez, faut juste que je regarde mon anneau pas de greffe. Ah ouais, il est beaucoup trop cher. On va le mettre à 3 millions 6. Voilà. Le MG Rock. Je vais toujours regarder parce que des fois les jets sont totalement pourris et ça foire le truc. Non, ça va, il est bien. On va mettre 1 700 000. Voilà. J'avais une idée. De partir sur un stuff air, donc full air, on se retrouvait avec à peu près 1000 d'agilité et 4000 PV. Je trouvais ça pas mal, mais au final je me suis dit ouais mais bon le stuff c'est pas énorme non plus. Attendez, je vais vous montrer ça. Hein. Je mets juste tout ça en vente, alors j'ai l'anneau PAPM, ça coûte combien ça? PAPM, 2 millions, 2 millions 7. Ouais, j'ai encore pas mal d'items à mettre en vente, je suis assez content à ce niveau-là. Je pensais que j'avais beaucoup moins d'argent que ça en fait. Parce que les 30 millions que Naga m'avait donné, bah, ils sont toujours là. Hein. Voilà, l'hôtel bijoux c'est bon. Attendez, on en a pour combien en vente ici? Bah encore 10 millions là, ça c'est cool. C'est bien maintenant qu'on puisse voir ça parce qu'avant c'était un peu le bordel. Faut l'avouer. Bon ici j'ai tout vendu sauf ma létaline. J'ai aussi imaginé que je pourrais faire un roublard soutien. Enfin on appelle ça soutien. Parce que le jouet feu soin en fait. Avec un Thanos, c'était vraiment pas mal le stuff que j'avais regardé et au final ça coûte extrêmement cher. Donc je pensais pas que les prix seraient encore aussi hauts maintenant quoi. Sur des stuff... Merci. Alors chaussons pignons, les miens ils sont comment? Ils sont bof bof. Donc on va les mettre aussi à 950 000. Voilà, maintenant, mycosine. Ça coûte cher normalement, voilà. Et mon jet est très bien en plus. On va mettre 4 millions 5. Voilà, encore 6 millions dans cet HDVC. On va aller voir hôtel de vente des tailleurs. Est-ce que j'ai encore des trucs ici? Non, ici tout s'est vendu. Donc là j'ai la K perforée du Zobal. Qui ne coûte absolument rien. 400 000. Voilà, et la coiffe Ouga. Ouga lurette qui coûte plus rien non plus. Putain, avant ça coûtait super cher ces machins-là. Et voilà, donc encore 1 million par-ci, 1 million par-là. Ah ouais, le Hogarto encore, j'ai oublié.
Et je suis en train de faire des quêtes tous les jours et tout ça, histoire de monter 199 en attendant que j'ai pas que je ne suis pas stuffé. Et hier j'ai fait deux quêtes et je me suis pris 7 ou 8 millions d'XP, c'était pas mal. Alors, je me suis dit que j'allais peut-être continuer comme ça en attendant de retrouver un stuff. Dommage. Oh, 400 000. Ça me coûte plus rien ces saletés. Donc voilà, ça j'ai gagné à la loterie, ça aussi. Ça par contre, je sais pas comment on fait pour la monter. Je crois que c'est avec les Dragoeufs, mais je suis pas sûr. Donc voilà ce qui me reste. Voilà. 22 millions. Enfin, j'ai encore 4-5 millions en banque. Oui, MADD aussi. Emerald Rousse. Niveau 100, bien sûr. Après ça, ben, j'hésite encore sur les stuff. Hein. Je vais vous montrer ça. Attendez, je lance Dofusbook. Voilà. Normalement, là, vous devriez voir assez bien. Donc voilà, j'avais imaginé ce stuff-ci. Donc qui était pas mal, qui était pas trop cher et qui au final roxait à mort. Le seul problème, c'est qu'on n'était pas un sur deux avec l'épée. Bon, ça entra en compte de faire le climb, mais ça c'est pas trop un souci. Hein. Je peux le faire, je demande à un ami qui m'aide, Robin ou quoi, et il me le fait passer sans souci. Je trouvais ça pas mal. Et oh pardon, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger sur Skype, voilà, pour éviter que ça appelle pendant que je suis en vidéo. Donc ce que ça donnait. Voilà les dégâts. Si je faisais des CC, par frappe, je pouvais monter jusqu'à 1300. Presque 1300. Sur du 0%, donc ça pourrait être un peu abusé. Si j'avais un tutu ou quoi, histoire de passer 1 sur 2, là ce sera encore plus abusé. Bon, ça coûte 5 PA, d'accord, mais ça fait extrêmement mal. Après, je peux essayer de faire un mode en 11 PA, 5 PM. Mais je trouve pas ça si. Si, comment dire, si rentable que ça. Je peux tout simplement remplacer ça par un Gelano PAPM. Ça, je pourrais le faire, mais bon, ça me fait de la vita en moins. C'est pour ça que j'ai mis le MG Rock, c'est pour avoir pas mal de vita. Donc, ce qu'il fait avec tout ça, c'est que les bombes avec 4000 de vita, elles approchent les 800, 700, 750 de vie, donc c'est vraiment bien. Après, je sais pas si on le voit ici. Dégâts de base, non. Mais voilà, les bombes qui tapent quand même 300, c'est énorme, hein, 300. Une bombe normale, je veux dire, sur un perso niveau 150, à peu près, elle doit taper entre 150 et 200 quand il est bien stuffé. Donc imaginez si elle tape dès le début à 300, bon, vous la posez, vous la faites péter, il se prend 300 dans la gueule en zone, quoi. C'est un peu pété à ce niveau-là. La dague boomerang, ça je suis 1 sur 2, ça c'est bien, en CC je peux monter jusqu'à 600. Enfin, 2 fois 300, donc ouais, 600. Pour 5 PA, c'est cool. Après l'espingole qui tape aussi très bien. Je suis 1 sur 4 par contre. Mais bon, ça monte jusqu'à 400 à l'espingole quoi. Sur 8 de PO en diagonale, sur 2K, c'est un peu pété. Et le marteau de Moon, que j'utilise absolument jamais, mais qui peut faire des dégâts sympas aussi. Pour 6 PA, faire 700 de dégâts et retirer de la PO, c'est bien. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est pour l'élément air, bien sûr. Pour l'élément feu, je sais pas si je l'avais gardé. Attendez, je cherche, hein, parce que comme vous pouvez voir ici, j'ai 4 persos rien qu'avec des stuffs de roublard. Donc faut toujours que je cherche pour voir lequel est lequel. Ça c'est un stuff feu que j'avais imaginé, qui était pas énorme, mais qui tapait pas mal. C'était simple comme stuff, mais c'était cool. Ça coûtait pas trop cher, ça tapait bien, il n'y avait pas trop de trophées à prendre. Je tapais 1 sur 2 à l'épée d'automage, je tapais jusqu'à 800, 860 en CC. L'extraction, ouais, du 300, ça c'est quand même énorme. Regardez les bombes ici. Voilà, avec 900 de stats, on est à peu près à 300 de dégâts. Alors que les bombes feu ont des plus gros dégâts de base que les bombes air. Regardez, on est qu'à 15 maximum. Là, on est à 18 sur les bombes feu.
Le pulsar, on tapait en CC jusqu'à 800, ça c'est bien. Des gros dégâts constamment. Après, il y a la flammiche qui est ici. Voilà, on tapait 200 à 225 avec la flammiche pour 2 PA avec une PO de malade mental. Ça, pour ça, l'élément en feu, je l'aimais bien. Après, la coiffe, il y avait beaucoup mieux. Ça, on est d'accord. Les stats... Attendez, on va changer ça. Parce que c'était un peu dégueulasse. C'était juste pour avoir un item Free Free 3 sur ma tête que je l'avais utilisé. Pas de greffe, non. Voilà, ça c'est mieux. Maintenant, est-ce que... Attendez, hein. Les bonus de la panneau Glure Céleste, c'est ça. On va regarder. Je teste avec vous, hein, parce que peut-être que 3 items... Donnez mieux de prendre... Non. Enfin, quoi que... Ouais, les stats sont quand même mieux. Et on a beaucoup plus de résistance, voilà. La jouer plutôt comme ça. Assez simple comme stuff, 35 CC, c'est pas mal. Est-ce qu'on est toujours un... Ah non, merde, on n'est plus un sur deux. J'ai rien dit. On va remettre la... L'anium, voilà. 1 sur 4. Oh putain, il n'y a pas de CC là-dessus, j'avais oublié. On va mettre une coiffe Glourcelette, enfin Glourson, plutôt, celle-ci. Bon, qui donne un CC en plus. Putain, comment ça se fait qu'on ait plus un sur deux? C'est peut-être pour ça que j'ai mis la coiffe Mrs. Freeze en fait. Hein. J'ai pas regardé les CC que ça donnait. Je connais pas par cœur les... Bah si, CC, ouais, quand même. 42 puissance, ah ouais, d'accord, c'est pour ça que je l'avais pris. Ouais, d'accord, on a 80 de puissance, donc on approche les 1000 d'intel à peu près. Et j'ai pas de trophée 100 et tout ça, j'ai juste mis simplement le trophée 60 et le trophée 12 dommages. Les stats, ça donnait quoi? J'avais mis 400 en intel, ah ouais, quand même. Donc imaginez si je me mets full vita. On va tester, hein. Ça coûte rien. 101 et 1096. Voilà, on monte à presque 5000 PV quoi. C'est un peu abusé. Faut voir les dégâts. Ouais, on tape quand même pas mal, hein. Ouais, franchement, pour presque 1000 de vita en plus, attendez, hein, on va faire. Le petit lols, attendez, les trophées, on va mettre le trophée 80 PV. Il est où? Il est là. Et voilà, comme ça on est à 5000 PV. Mais bon, ce stuff là, il était pas terrible, mais il était pas fini. Celui-ci, je l'avais commencé aussi, 1200. C'était un peu pour troller, ça, j'avais essayé de faire le plus d'intel possible. Vous pouvez voir les, les trophées un peu abusés, ça donnait que 3400 de vita. Mais au final... On avait quand même 42 CC et vous allez voir les dégâts. Voilà, on tapait jusqu'à 1000 en CC. Le pulsar, il ne devait pas être loin des 1000 aussi. Voilà, en CC, ouais, 1010. Enfin, c'était un peu full dégâts, cette compo-là. Attendez, qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Oui, ça c'était un stuff R, un stuff O, pardon, que j'avais imaginé aussi avec 930 dés. Mais bon, c'était encore avec un tutu. C'était un peu pour troller que j'avais fait ça. Histoire de rêver un peu, voilà. Avec l'épée Glourson, on faisait quand même pas mal de dégâts en CC, comme vous pouvez le voir. Après, on va passer sur le deuxième, le troisième. Ça, c'est un vieux stuff. Un vieux stuff 12-6 que j'avais imaginé, mais que je devais remplacer parce qu'il avait un PM de trop. Attendez, on va mettre une piote. Non, un broc-feu, voilà. C'est pareil. Voilà, donc 3700 de vita, 12-5. Le stuff est totalement dégueu, je vous l'accorde. Et là, normalement, je suis par chaud 25. Hein. Mais c'était un stuff pour quand on a pas trop de sous et qu'on veut être en 12 PA. Voilà.
Alors qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est le vieux stuff haut que j'avais. Donc aussi en 12 PA. Presque 1000 de chance. Et 12 PA, franchement, c'est pas dégueu. Bon, il fallait un tutu, hein, bien sûr. Pas énorme, énorme. Ça aussi, un stuff 1000 d'intel 12.5. Mais bon, il fallait encore un ocre, un tutu. Bon, là, c'était juste un tutu 11. Mais il fallait un ocre que je n'ai pas. Donc, le stuff est un peu à proscrire à ce niveau-là. Et là, on va passer sur le premier. Donc franchement, hein, si vous avez des stuff à me proposer que je pourrais essayer de monter sur Roublard, histoire qu'il coûte pas trop cher, peut-être, je sais pas, moi, une voie à double élément que j'ai jamais joué. En fait, je joue toujours mono élément, mon Roublard. Et ça pourrait être pas mal, je pense, à tester. Ça, c'est des stuff pas finis. Et celui-là, bah, c'est un peu le même qu'on avait vu avant. Donc voilà. On va retourner en jeu. Rien ne s'est vendu, non, rien du tout. Donc voilà, niveau de mes sorts, j'ai assez de doplomb pour pouvoir reset entièrement mes sorts, donc ça, il n'y a pas de souci. Franchement, je me demande ce que je peux faire, ou R-feu. Attendez que je réfléchisse. Il y a quoi en R-feu qui serait pas mal? On va aller sur le premier, de toute façon ici les stuffs sont pourris. Alors. Mais en fait, il y a un truc qui est bien à coupler, c'est la voix R et la voix O. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que la voix R sur les roublards, c'est beaucoup de dégâts à distance. Même que des dégâts à distance. Et la voix O, pardon, que des dégâts au corps à corps. Donc en fait ce qui serait un peu pété, ce serait de... Putain c'est bien ce panneau. Un PM pour 3. Attendez, j'aime bien ce stuff. Le CAC est sympa, il coûte 3 PA, c'est une baguette. Donc qu'est-ce que je disais moi? Oui, donc ce serait bien de coupler l'eau et l'air, puisque quand les personnes seront loin, on tape R. Et quand ils viennent tout près, ben on peut mettre masse dégâts haut, ce serait vraiment pas mal ça. Donc on va partir sur une Hellmonster. Les bottes, il y a des bottes Free Free 3 qui sont très très bien, c'est les sandales Uzi. Mais sinon, il y a les bottes Glourson qui sont pas mal aussi. Que je ne trouve pas. Ah, elles sont là. Parce qu'en fait ici on a masse dégâts, mais on a de l'esquive perd en moins et tout ça, mais bon c'est pas trop trop grave. Ce qu'on va faire, on va se mettre full vita, comme ça on va voir les stats qu'on peut approcher comme ça. 86, voilà. Alors, la ceinture, soit une race boulaire, soit un truc bien pété. Ouais, là quoi, la Glourson est bien avec les deux PO. Même si vous allez me dire la PO sur un roublard, à part pour botte, aimantation et détonateur, ça ne sert plus à grand chose. Enfin, c'est plus ce que c'était avant. Mais ça peut toujours être sympa. J'ai l'anneau PAPM, bien sûr. C'est un peu obligé, ça, je pense. Faudrait au moins que je sois en 11-6. Et alors là, ce serait... Ce serait bien. Alors, anneau, anneau, anneau. Non, non, pas ça, pas ça. Ni ça. La lance Gourson, voilà, elle là. C'est là dans de très bonnes stats. Ce qu'il y a, c'est que je pourrais tenter le 12-5 plutôt. Ouais, je crois que je vais plutôt partir sur un 12-5. On va prendre la... Putain, elle est où? C'est une hache, ouais, voilà. La hache Zot, qui donne un PA en plus. On va faire la recherche. Comme ça, ben, on a déjà le CAC en moins à penser, puisqu'on aura beaucoup de sorts à monter. Donc la maîtrise, on la laisse déjà tomber.
On prend émeraude, prune, comme ça on est... Enfin, prune, émeraude, comme ça on est en 6 PO, 6 PM. On va mettre d'abord le Dofus Kawot, ça c'est obligé, je le mets toujours sur mes persos. On va mettre le trophée qui donne un PA, il est pas ici je pense, il est là, le turbulent. Donc voilà, on est en 12, 5, 6. Vraiment pas mal, 500 de stats partout, 4400 PV. Bon, la vita, c'est pas énorme. Bon, maintenant, on va mettre les trophées de stats. Et je vais mettre les 60, hein, pas les 100, parce que j'ai pas envie de perdre de la vita, parce que je trouve que 4500, c'est pas énorme non plus. Donc, on va mettre la J et la chance, c'est ici. Les dommages. On va mettre les 12 O et les 12 R. Ça, on attrapera vraiment un stuff pas dégueu. Après, je viens de penser à un truc. Il y a la panneau coriandre qui est très très bien. Et qui a un cac vraiment assez pété. On va la tester. Ah mais non, je n'aurais pas la mettre parce qu'il y a une cape dedans. Et dans la panel monster, ben ça me donne un PA, il me semble. Ouais, PA, PO et 40-40. Donc voilà, ça me semble pas mal. Enfin, c'est bof, mais bon. Pour un full vita, c'est pas dégueu, je trouve. Surtout que le stuff est amélioré vachement et on est en 12, 5, 6, quoi. Ça, c'est pas négligeable. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, niveau du cac. On tape quand même du... Ouais, entre 400 et 600, quoi, avec juste deux éléments de frappe. Si on l'a FM ou R, je crois que ça peut être pas mal. Après, faut voir. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de sorts à regarder. Donc voilà, Tornabombe, 200. Boomerang, 250. Reski. On n'est pas un sur deux. À peu près 300 dégâts. La bombe à eau, pareil. L'espingole, 200, 200. Ouais, le tromblon, ça par contre ça fait des beaux dégâts, ça c'est cool. 300-300. Bon, je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux avec ce stuff. Hein. Si on la joue beaucoup plus dégâts, il y a moyen de monter avec des stats totalement pétés. Je le sais bien. On va essayer. Hein. Parce que je fais une vidéo, je m'en fous de... Je sais pas du tout à combien de temps on est. On est à 22 minutes, bah ça va, c'est pas grave. On va tester un peu le même stuff, mais... Enfin, les mêmes éléments, mais différemment. Avec, elle est où? La panneau que j'ai vue tout à l'heure. C'était comment? Cartésienne, voilà. Ça me semble pas mal. Ah ouais, non, merde. On n'a pas le PM. Oh, merde. On va mettre plutôt... On va essayer avec la coriandre. Qui est un peu plus bas niveau. Mais 4 PA et alors ça donne... Regardez le cac quoi. Le cac il retire un PA et il vole de la vie à mort. Donc là on va partir plutôt sur un mode 10 PA. 10, ouais 10 PA. 10 PA ça me semble pas mal. Le pare-chotage, on va enlever tout ça. Voilà, c'est mieux ainsi. Alors que je sache, bon, anneau MG Rock, ça c'est obligé, puisqu'on part pas sur un gel anneau, on va partir sur un MG Rock, ça fait 5, non, 4, 5, il va nous manquer un PM, c'est pas grave. La ceinture, une ceinture autre que la Glourson, que la Glour Céleste qu'il faudrait. Et la panneau glacial, qu'est-ce que ça donne? Ça c'est full chance. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Ah non, j'ai une idée, attendez. On va mettre la panneau glacial. Voilà. On va voir les items qui nous restent. Donc voilà, il nous reste tout ça. Ça on vire. Ça on vire. Je crois qu'il y a moyen de la coupler avec
La panneau Mrs. Freeze. Elle est où? Ici. Ouais, voilà. Là, elle est franchement pas dégueu. Regardez les stats qu'on a. 4200 PV. Et alors, on partirait plus sur un stuff chance. On a encore le cac de dispo. L'amulette. Putain, ouais, mais il va nous manquer un PA, ça le problème. Parce que je vais pas faire un stuff en 10-5, quoi, c'est un peu dégueu. Mais la panneau Mrs. Free, je l'aime vraiment bien. Parce qu'elle donne énormément de stats. Mais après, c'est une panneau qui est plus de terre qu'autre chose. Ah ouais, non, non, j'ai une idée. Panneau Alistair, où est-ce qu'elle est? Elle est où là? Ceinture anneau, ouais. Ça par contre c'est intéressant. Bon, encore une fois on a le problème du PA, donc on va devoir trouver un cac qui donne le PA, donc on va devoir prendre obligatoirement pas le bâton, qu'est-ce que je fais moi? La hache. La hache zot. Voilà, on a quand même 4000 PV là. La émeraude rousse. On va taper dans le mode gros bourrin vita. Hein. Alors, le PA, on va aller chercher dans l'amulette. On va prendre, je crois que la cartésienne était vraiment pas mal. Voilà, celle de la panneau cartésienne PAPO, 25 puissance, ouais, c'est nickel. Bon, on est à 400, 400, presque 5000 PV. Ce que je suis en train de me dire, il y a peut-être moyen. Attendez, on arrive à combien de vita comme ça? Pas loin de 3000. Est-ce qu'il y a moyen de faire 300, 300? Ah non, merde. 200, 200. Voilà, on a quand même 690 PV, voilà. Donc on monte quand même à 4500. Les stats sont un peu mieux. On va pouvoir taper les. Oh oui, on va se mettre des trophées 100. Oh oui, ça va être violent ça. Attendez. Attendez, je viens d'avoir une idée. Alors on va mettre ça. On va mettre le R. On va pas mettre de kawatt. Première fois que je build un stuff sans mettre le kawatt. Agi. Attendez, faut juste que je regarde les résis. Je crois qu'il y a moyen. Attendez, allez, descend. Alors, les résis du feu, ça, je peux me le permettre. Et on va faire la même chose dans l'autre sens, mais avec les résis hauts. Résis neutre, je m'en fous, il n'y a personne qui tape neutre. Enfin, si, les intimidations des yop. Je crois que c'est le seul sort. Ah non, il y a l'aveuglement des FK aussi. J'allais dire, c'est le seul sort que je connais qui retire des dégâts neutres. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Je réfléchis dans mon, dans mon encyclopédie d'Ophusienne que j'ai dans ma tête. Mais... ouais, non. Bon, c'est pas dégueu. On se retrouve avec 92 dégâts, 700 dans chaque stat, 4100 PV. 10-6. On va voir les sorts, ce que ça donne. Hop, pourquoi je regarde ça? Les bombes. Dégâts dégueulasses. Dégâts encore plus dégueulasses, non. Faut vraiment que je pars sur un stuff mono-élément. Parce que moi, il faut que je fasse des dégâts, puisque je joue solo en général. Et donc, quand on est solo, bah, soit tu one-shot les monstres, soit tu te fais one-shot. Donc, c'est pas évident, ça. Je trouve en tout cas que les panneaux Frigos 3, elles sont jolies.
Je sais pas qui a fait le design, mais franchement, je les trouve vachement stylés. Panneau ventouse, panneau instable, c'est quoi ça? Douze coups critiques? C'est quoi ce machin? 12 de soins. Et c'est abusé ça. Bon, faut avoir fait le Nilesa, mais après elle est un peu pétée la ceinture. Attendez, si je fais ça. Ah, c'est double anneau, ça c'est con par contre. Donc avec juste ce petit panneau-là, on se retrouve en 8 PA, donc ça fait... Ah non, c'est pas assez. Malheureusement. Mais par contre, la ceinture est très très bien. Attendez, j'ai reçu un message. Hein. Voilà, je suis là, vous inquiétez pas. Voilà, c'est rempli. Donc... Ah ouais, ou alors je peux essayer le truc totalement abusé que j'avais tenté l'autre fois. Donc c'est-à-dire un roublard tank. Donc le but, c'est d'avoir le plus de vita possible. Là, vous allez voir, on peut monter assez haut comme ça. Et alors jouer soutien, quoi, booster les alliés avec bot et tout le bordel. Debuff les monstres, préparer des grosses bombes qui taperont pas énormes mais qui feront quand même ça. Et jouer soin. Donc avec ça, il nous faut le Thanos. Non, on va partir full dégâts. Oups. Ça, c'est le problème de Dofus Book. Parfois, il y a des petits bugs comme ça. Alors. Ça, c'est Emeraude Rose. 300 de PV. C'est le mieux que je connais. Enfin, il y a le Peki Peki. Mais après, c'est pas viable, je pense. Les bracelets. Double bracelet Ming. Non, un bracelet Ming et un MG Rock. Donc c'est être un stuff des tanks, mais soutien. Voilà. Donc on est déjà à 4000 PV. Le masque, celui qui donne le plus que je connais, c'est le Glour Céleste qui donne 400. Mrs. Freeze donne 400 aussi. Ah, le vicieux aussi. 400. Ah ouais, il y a la panneau à Hermine aussi. Ça, c'est abusé, ce machin. Elle est totalement dégueu. Mais vous tankez comme l'infini avec cette panneau. Et attendez, je vais pas regarder l'hérésie. 10% partout, 10% partout. Oh, putain, avec deux items, on a 10% partout, c'est trop stylé ça. En plus, elle est jolie, je trouve, la panneau Hermine. Ah ben non, il y a la coiffe Arbour qui monte à 500. Mais bon, c'est niveau 200. Parce que je ne serai pas dans les jours qui viennent, ça c'est sûr. On va partir Glour Céleste, voilà. Pour le moment, 32 soins. Est-ce que ça donne des soins? Non. Oh putain. Voilà. On a 4600. L'amulette, il me faut une amu qui donne des stats, je dirais feu et au moins 300 de vita. Ah, la Théodorant Axe, c'est bien. Même très bien. 15 de soins.
Donc 45 de soins. Voilà. 10 PA, 6 PM. 5000 PV, on n'a pas le truc. C'est un bâton, le Thanos. Bah oui, il y avait le skin là. Le Thanos, il est ici. 5200 PV. Abusé. Et quand même 250 et... Attendez, on laisse comme ça. Et on va regarder ce qu'on soigne déjà avec l'arme. PV rendu, putain, ouais, du 600. Et on peut l'utiliser deux fois par tour. Oh, on peut l'utiliser deux fois par tour! Eh, mais c'est abusé. Maintenant, c'est bien de le jouer comme ça, mais à côté, il vous faut un perso qui fait des dégâts à mort. Soit un multiman ou quelque chose comme ça. Mais bon, là, en plus, il n'y a même pas de trophée. Attendez. On va mettre tout ça. C'est un roublard support. Hein. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux. La coiffe et tout ça, il y a moyen de trouver avec plus de soins. Je vais regarder. Hein. Les trophées. Bon, on va prendre les trophées intel. Voilà. Le trophée Vita. Enfin, soins. Il est là. Il est ici, voilà. Le trophée, je dirais l'initiateur aussi s'il y a moyen. Non, on va prendre celui qui donne la vita. Qu'est-ce que je pourrais prendre encore qui pourrait être... Ah ouais, du tacle. Ça pourrait être bien. Histoire de se balader dans les mobs. Enfin non, de la fuite, pas du tacle. Fuite, voilà. Alors, voilà comment on peut améliorer ce stuff. Donc on a 7 PO, ça c'est pas bien. Parce qu'on peut monter qu'à 6 normalement. Avant on pouvait monter plus haut, mais bon voilà. On a quand même 300. 71 de soins. Donc voilà. Les stats, oui, on peut le mettre. On peut taper deux fois, on peut rendre. Ah, on vole quand même 400. On a quand même 200 de régène par contre. Putain, ouais, quoi, c'est abusé. Prendre jusqu'à 1500 deux coups, quoi. Je sens que j'ai bien aimé. Est-ce que ça donne des soins? Non. On va chercher une coiffe, genre... Oh putain, comment elle s'appelle? Genre le capolochon, voilà, 300. Donne 12 de soins. Je vais voir s'il n'y en a pas qui donne des soins. Et un peu plus de vita. Si possible. Ouais, de Vita. Ici, non. Là, je crois que la capoloche. Oh, une coiffe qui donne un PA. Ouais, mais on peut pas se mettre en douce. Enfin, il y a la capsule. La panneau séculaire, hein, toujours. Qui est, à mon avis, la meilleure panneau du jeu. Hein. Y a rien de mieux, je trouve. 83 de soins. En plus, la panneau létaline qui donne pas mal de soins. Le PM, la Vita, voilà, 15 de soins encore là. Le bonus panneau, 100 de puissance. Oh ouais, j'avais pas vu la puissance quand même, 140. Donc on a à peu près 460 d'intel quand même. Malgré le stuff dégueulasse. 5256 PV, ça c'est un peu exagéré. Quand même 566 de sagesse. Attendez, je vais voir. Si je me mets plutôt full sagesse comme je suis pour le moment. 420 à peu près, non c'est 400. 429, je crois que je suis à ça. Ouais, voilà. Quand même 4200 PV, 900 de sagesse. Bim. Toujours le soin. Bon, ça c'est vraiment pour PVM, histoire de monter 199 vite. Et puis après, je pourrais passer en mode full vita, 5000 PV, totalement cheaté. Ouais, ça me semble pas mal. En plus, le stuff est pas trop cher, je pense. On va regarder ensemble.
Ce que je vais faire, c'est je vais prendre la calculette. Alors, on est au tel de forgeron. Non, il faut aller sculpteur dans un... Déjà, je suis sûr que le Thanos, ça coûte pas plus d'1 million. Parce que j'ai déjà regardé il n'y a pas longtemps, mais j'avais regardé totalement autre chose. De jouer feu, mais avec le Thanos au cac. Le Thanos, caractéristiques, utilisation... 2 fois, ça c'est terrible. Ouais, 800 000. Et les stats sont pas dégueu, hein. Est-ce que ça donne des soins, Altanos? Non, ne soyons pas trop exagérés. Ben, il me semble pas mal, je vais regarder les autres. Pourquoi celui-ci est moins cher? Ouais, il manque pas grand-chose, hein. J'ai la fuite, j'ai la prospection, il manque que 1% de rési, 2 rési fixe. Les dégâts, il manque un peu. J'ai l'invoque, j'ai la PA. J'ai la sagesse qui est presque à fond. L'intel pourrait être un peu mieux. Bon, on va noter 800 000. Si on a assez pour acheter tout direct, eh ben on viendra le rechercher. Sinon, ben on attendra une autre fois, hein, pas de souci. Alors, bijoutier, par contre, on va se faire mal. Le MG Rock, en espérant qu'il n'est pas encore parti. Voilà, on le retire. Donc ça, c'est déjà bon. Tu peux déjà l'équiper. Alors, l'AMU Théodorant Axe. Ah ouais, quand même. Bon, il me faut les 15 de soins, 14 ici, les stats vraiment pas dégueu. On a que 14 de soins. Donc là, elle est bien. Alors, plus 3 350. Voilà, on est déjà à 4 millions, ça va. Le bracelet Ming. Oh, c'est cher aussi ça. Celui-là, il est très bien. On n'a pas tout le tacle, mais on a pas mal quand même. On a l'initiative, les CC, la sagesse qui est à fond, donc voilà, c'est bien. Plus 2 millions 1. Là, on a ça, donc maintenant cordonnier. Je mets en plate avec vous, hein. Je sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas, je posterai la vidéo. Pour ceux qui aiment les vidéos un peu plus longues, l'étaline. Ah oui, j'ai toujours ma ceinture, l'étaline normalement qui est en vente. Est-ce que j'ai les soins? Attendez, panoplie. C'est 15, là j'en ai que 12. On va voir si on n'a pas une... Pas trop cher avec les 15 de soins. Ah bah ici. Ah bah nickel. La moins chère c'est la mienne. Oh, c'est pas mal celle-là. Donc 700 000. Et franchement ce stuff je vous le conseille sur à peu près n'importe quelle classe. Ce qu'il y a de bien avec le roublard c'est qu'il peut booster pas mal. Et il peut donner des PA, des PM, des dégâts, enfin je vais restat 2-3 sorts, monter les 3 bombes au niveau 6, comme ça mes boosts seront pas mal. Et franchement jouer le roublard support, ça peut vraiment être pas dégueu. On a les 15 de soins. On a un over vita. Les 12%. Le putain, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, je l'achète. Donc ça fait moins 950. Ah non, merde! Plus 950 000. Plus 9... Ben non, on n'a pas besoin de l'ajouter puisqu'on l'a déjà acheté. Ouais, donc quand je vois que ça coûte vraiment pas cher comme ça, je vais acheter tout directement. Voilà. Alors, on va aller acheter le Thanos, hein, celui qui était pas cher. Sculpteur, voilà. Et en colis, ça c'est pas si dégueu que ça, je pense, hein. Parce que comme les gens sauront pas que je suis vraiment support et que je vais soigner comme un...
comme un malade. Ah si, il y a des soins sur le Thanos, j'ai pas vu. Il y en a 10. Là j'en ai 8. Wow. Oh, il est pas mal celui-ci. Allez, on va déjà s'équiper de ce qu'on peut mettre. Voilà. Votre niveau est trop faible. Non, je peux pas les mettre, sérieux. Bah tant pis, il faudra passer 199. Bah bon, je suis pas si loin que ça. Je suis à 120 millions. Je continue de faire mes trucs dans, à mon avis, une dizaine, une semaine, ça devrait être bon. On va aller bijoutier, on a déjà été. On va aller tailleur. Alors, cap, c'était la létaline. Qui celle-là ne donne pas de soins, donc on peut chercher juste un full vita. Les résis sont très très bien. La fuite est là. Les résis, la sagesse, c'est pas dégueu. Là, il y a un exorésie critique que je m'en fous absolument. Celle-ci, celle-ci, les comment. Les résis sont parfaites. La fuite est mieux. Il manque un peu de vita. Ouais, je vais prendre celle-là. Je dois vous avouer que je regarde pas vraiment les prix. Ah merde, le chapeau lochon. Ouais, j'ai encore ça à vendre. Le chapeau. Ouais, non, en fait, je vais pouvoir acheter le stuff facilement. Je pourrais même imaginer de stuff un deuxième perso. Qui pourrait être pas mal. Imaginez, je monte deux persos et avec les deux persos, je mets deux multiman. Enfin, chacun un. Ça peut être franchement pas mal comme team, je pense. Le chapeau lochon. On a l'intel, on a la vita. Les soins, c'est combien? C'est 12. Là, on a 10. On a les 12 soins, l'intel over. La sagesse, les CC, c'est 4. On a l'hérésie. Oh, celui-là, il est très bien. Voilà. En plus, je trouve qu'il va avoir le swag, le roublard. Voilà. On peut mettre le Thanos. Par contre, faudra que je transfère les objets de mon... Ah non, je l'aime bien comme ça. Vous allez rire, mais je le trouve stylé, moi, comme ça. On a tout sauf... bijoutier. Attendez, je regarde quand même. On a les bottes. Par contre, faut que je trouve des bottes pour... En attendant... À moins que je continue de faire des quêtes et que... Je sais pas, c'est 122 millions sans bottes. Alors, Théodorant. C'est la première qu'on a regardée qui était très bien. Oui. Et alors, le bracelet Ming. Minganoti. Qui était ici. Pas dégueu. Voilà. On peut mettre le bracelet, l'amulette. Et on n'a pas usé... on a usé 10 millions 5. Bon, on n'a pas encore les trophées. Je vais aller chercher, mais il n'y en a que 4. Hein, donc ça réduit déjà l'achat. On monte déjà à 3400. Avec ça, on va monter à 3700. Avec les bottes en plus, on montera à 4100. Ouais, c'est pas mal. Après, en attendant, je vais remettre mon Chapia. La cape létaline, au pire, on peut la laisser. L'intel est pas encore au rendez-vous. On va aller chercher les trophées. Non, c'est pas ici. Enfin, non. Là, c'est l'almanax. Je vais le faire tant que j'y suis. C'est quoi aujourd'hui? Alors, almanax. Les challenges réussis en augmentant l'arbre camo, génial. Voilà, alors faut lui amener quoi lui? Des cloaques de poulet. Oh, j'en ai en banque. Parce que oui, l'arbre à cam, j'ai déjà farmé pendant un petit moment.
Parce que l'arbre à cames, en fait, il y avait des groupes 10 étoiles et en fait, les combats sont super rapides à faire. Suffit de choper des cascargots, vous les poussez dedans et puis c'est facile. Il y a la banque qui bug tellement elle est remplie. Voilà. 3 millions sourneaux, on monte à 10. Les poulets. Les cloaques de poulet, ouais, j'en ai 204. Bon, on va en mettre en vente, hein. Ça va partir comme des petits pans. Bon, il est 14 h. C'est... Si je l'avais mis plus tôt, ça aurait été pas mal. Les poulets. Les cloques de poulet, ils sont à 700 KU. Allez, on va en mettre 40 à 700. Ah non, on peut monter jusqu'à 198 dans l'HDV des ressources. Je savais pas. On va en mettre 100. Allez! Et puis après, on va en mettre quelques-uns par 10. Et pour ceux qui demandaient, oui, je compte me réabonner à un an, le mois prochain, je pense, sur le roublard, puisque les services PayPal ont été réactivés apparemment sur le site. Par 10, on va les mettre à 9 500. Allez, on en remet 10 comme ça. Voilà. Comme ça, on a mis un peu de trucs en vente. Parce que ma banque, elle est un peu blindée. Un petit peu. On va avoir l'XP du machin, on devrait retomber à 120 millions, 100, 119. Et puis après, on va aller acheter les trophées. Bon, par contre, comme multiman, moi, celui que je vais essayer d'avoir, ça va être Ombre. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu le live chez Ankama, on a vu un petit peu, et perso, celui que j'ai vu qui roxait le plus, c'est Ombre. Et comme mon roublard va être support, ben, va vraiment falloir que il envoie du pâté. Voilà, on retombe à 120 millions. On va aller chercher le... comment ça s'appelle? Le truc. Là. Le machin. Ici, voilà. Le zap. On a combien de sagesse là? 763. C'est lequel? C'est plaine rocheuse. C'est 13 quelque chose. 13, 28. Voilà, donc alors on avait dit quoi? Le intel, le soin. Alors j'ai rien en vente moi ici. Non, ça va. Alors trophée, c'est savant qui s'appelle. Savant majeur. 1 million 1, ça c'est bien. Le savant. Maintenant il faut le soigneur. C'est docteur. Non, c'est pas docteur, c'est l'autre ça. Je sais plus comment il s'appelle moi. Celui-là, il me le faut. Celui-là, il me le faut. Oh, 3 millions. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre. Celui plus 16, mais je sais plus comment il s'appelle là par contre. 16 de fuite, le voilà. Et alors, il faut... C'est pas le docteur, c'est... C'est un cœur avec un plus dedans, mais... Là, soigneur majeur, voilà. Ça va, on s'en tire bien, je trouve. Des trophées pas trop trop chers. Allez, on va mettre le chapeau à l'ochon pour s'y habituer. Donc alors, sans les bottes, on monte à 802 sagesse. Plus ça fera...
845, 849. 48, pardon. Plus mes 42 bonbons de formateur, donc ça va faire 900 et quelques de sagesse. Pour les 120 millions, je suis en train de me demander si j'achèterais pas des captures et que je demande à Robin de m'aider à les faire, histoire de passer 199. 3000 de vita, bon, plus les 360. On sera à 4200. Ah non, 4199, pile. 4199. Ce qu'on va faire, on va prendre le stuff ici. On va mettre ça. On va l'écraser, voilà. Et voilà. On va aller restat. Attendez, on va bouger un petit peu tout ça, hein. Donc comme sort principal, on va prendre les bombinettes. Voilà. La flamiche, je sais pas si je la garde. Parce que bon. Ouais, ça fait des dégâts, mais après. C'est pas énorme non plus. Bon. Puissance, on a 100. Oh putain, il est où? Sur les dommages. Dommage feu, voilà 36. Ouais, non. La flammiche, tu dégages. Clairement. On met les trucs pour booster ici. Les trucs pour se casser là-bas. Roublardise, il est où? Il est ici. Les invoques, on les met au bout. Parce que oui, on va pouvoir invoquer. Même la blinde qu'on va pouvoir invoquer. Je regarde si c'est bon. J'ai tout. Bon, ça on pourrait le virer. Peut-être prendre, ouais, peut-être monter Tromblon pour l'érosion. Ah mais non, on va juste le prendre en fait. Surcharge, il n'y était pas, il me semblait bien. Et ça me semble pas mal comme ça, on a nos trois bombes. Donc maintenant, on doit descendre. Un sort. Deux. Et trois. La maîtrise, elle est où? Quatre. Ouais. Donc on peut monter les deux bombes ici, niveau 6. Les trucs pour booster. Donc il va nous falloir monter rebours niveau 6. Donc ça fait 3. Poudre, ça pourrait être pas mal aussi. Bot, il est niveau 6. Ouais. Entourloupe aussi. Rémission n'est pas niveau 6. Et poudre est... Ouais, je crois qu'on va monter poudre niveau 6. Rebours. Surcharge, je vois pas l'intérêt de le monter à part l'intervalle de relance. Ouais. Ouais, en tout cas, rebours. Ah ben il y a un anneau chevelu qui vient de partir. Donc rebours 1, les deux bons, ça fait 3. Et le quatrième, on va monter poudre. Ou alors une invocation. J'ai pas regardé mes coups critiques. 23. Ouais, non, on n'est pas un sur deux, ça c'est sûr. Intervalle de relance 5. Intervalle de relance 5. Parce que bon, un petit chat faire feu, ça peut être pas mal, hein. Et je suis 1 sur 17. Avec 800 de vita, avec des stats de malade mental. Non, mais je pense que... Mais même niveau 1, en fait, je peux les invoquer tous les deux à la suite, c'est pas un souci. Et rebours, ouais, ça me permettra de vraiment boost les gens, quoi, de faire bot, rebours sur deux personnes, même plus. Par tour, par cible. Je peux le faire sur tout le monde, hein, donc 18 dégâts par tour, comme ça, sur tout le monde. Je fais la bot sur tout le monde, ça fait encore 17 de dégâts. Je peux faire le dernier souffle, ça fait 150 de puissance. Ouais, c'est pas mal. Après, poudre, c'est vraiment pour les bombes.
Ce qu'il y a, c'est que j'utilise pas du tout poudre. C'est ça le problème, j'utilise jamais ce sort. Après, c'est vrai que pour rendre un truc indéplaçable, ça peut être pas mal. Ouais, on va faire ça. On va aller à Amakna. Voilà, 2.0. On va aller... Je m'en sors pas mal, hein. Quand je vois tout ce qui est encore en vente, je vais avoir, à mon avis, encore une vingtaine de millions. Donc ouais, franchement, je peux encore imaginer de stuffer un deuxième perso. Genre le Zobal en mode gros Roxor, ça pourrait être sympa. Alors, ça coûte combien, hein? Échanger des deux plans, désapprendre un sort. Ah, c'est 17, j'en ai 50 et quelques. Ouais, je peux. Je crois qu'il y a un sort que je saurais pas enlever. Ça prend un sort, P1. Au pire, je fais le SRAM, hein, c'est pas un souci. L'extraction. Et alors, c'était quoi qui je devais enlever? Flamiche, ça c'est sûr. Ah ouais, la maîtrise d'armes. Ben, au pire, on peut la garder pour le moment. On va tester le Thanos, combien ça tape. Alors, il me reste combien de doplons? Il m'en reste 4. Donc, si j'en fais un, c'est bon. On va vite fait monter les bombinettes niveau 6. Voilà. La R, elle est ici. Voilà. Le rebours. Attendez, rémission. Je crois que ce que je vais faire, j'ai monté rémission au niveau 6. Et je vais mettre poudre niveau 3 ou 4. Ouais, 4. Niveau 4, quand j'aurai assez. Donc on va faire un doppel qui est super facile. C'est-à-dire le roublard. Ou bien le sacré. Ouais, on va aller sur le sacré. C'est pas loin en plus. 1h02 de vidéo. Ah ouais, j'avais oublié la libé. Parce que poudre, en fait, niveau 1, il me sert... pas trop... Ouais, si, il me sert quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que la libé, j'ai déjà bot, quoi, pour pousser les gens. Donc j'essayerai, au pire, c'est un doppel à faire pour stat le sort. Donc c'est pas un souci. Si je dois changer quelques trucs, je les ferai. On va aller taper le sacré. Quoique le Zobal est pas mal dégueu aussi, hein, faut l'avouer. Comme ça, on va voir ce qu'on donne en PVM, déjà. Par contre, oui, il manque un PA. Hein. C'est à cause des bots que je n'ai pas. Parce qu'il me semble que la panneau, l'étaline, donne un PA, ouais. Donc on est en 9.5. Donc on va essayer comme ça. Ce qu'il y a de bien, c'est comme je vais être full vita, mes bombes vont avoir blindé de vita. Et si elles perdent un petit peu, je tape dessus au Thanos, je me re-soigne et je soigne les bombes. Donc c'est... C'est totalement worth it, comme on dirait. Alors, s'entraîner avec un doppel. On va se mettre méga loin. On va faire le mur de bombe de l'infini. Oui, comme ceci. Il peut venir, oui, il peut venir là. Donc on va protéger celle-ci. Bien joué.
Merde, j'ai fait le con. Putain, ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Hein. Ah bah quand même les dégâts. En plus on fait un tchal. Une petite entourloupe. Et bim! Oh merde, il est pas mort. J'aurais peut-être dû attendre un tour en fait. On a pas mal de fuites, ça c'est bien. On va lui mettre les trois bombinettes. Ça, il doit faire le tour. Oh putain, ta punition elle tape tellement fort! On va tester la régène avec le Thanos. Ben c'est pas mal en fait. Ça nous fait un free soin en fait. Vous avez les trois bons, vous venez, et ben vous vous soignez. Dernier souffle. Et boum. Ah ben les dommages sont pas mal. Franchement, je suis agréablement surpris. Échanger les doplons, désapprendre un sort. Voilà. Bon, au final, rebours est monté. On devait monter quoi? Ah oui, le dernier sort, on devrait choisir. Donc, je vais mettre émission niveau 6. Et alors, je peux monter un sort niveau 4 au choix. J'hésite. J'hésite vraiment. Parce que surcharge c'est quand même vachement bien quoi. Si c'est pour le jouer support, surcharge si c'est bien joué c'est vraiment abusé. Après la poudre, c'est pareil. Bon, au pire, je les mets tous les deux niveau 3. Hein. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux, ils sont tous les deux niveau 3. Et franchement, je trouve que notre roublard n'est pas si dégueu que ça au final. On va aller revoir ça, donc on a... On va essayer un autre Doppel. Hein. On va essayer les Nutrophes, qui est pas loin. Puis après, faudra quand même un jour que je coupe, hein, parce qu'on est à 1h08. Et puis, il faudra que je fasse quand même mon Coliseum quotidien, parce que vous m'avez envoyé pas mal de questions, j'ai vu. Donc, je vais devoir choisir. Et pour ceux qui veulent savoir, donc ça va bientôt arriver, pour ceux qui ne savaient pas, mes cloques de poulet qui partent, pour ceux qui ne savaient pas, je fais des études de web design, donc qui dit web design dit site internet, et on a comme devoir, entre guillemets, le droit, même le devoir de créer un site internet et de le tester en ligne. Et je me suis dit que je pourrais faire un site capitaineflamme.com. Donc ça coûterait pas super cher de le faire, hein, c'est vraiment rien. Comme ça, moi ça me permettrait de tester les choses que j'apprends à l'école. Et vous, peut-être avoir des infos exclues et des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. On va faire ça. On va préparer une surcharge.
Donc il est encore sous sacrifice, ouais. On va encore en mettre une là. Alors, j'ai eu 300 de régène, je crois. Il me semble que j'ai vu 300 de régène. Est-ce possible? En fait, j'attends encore un tour pour pouvoir le désenvoûter. On va faire ça. Comme ça, il se prend les dégâts sur lui. Voilà. Ça, j'allais le dire aussi, s'il croit vraiment que je suis allé tout près de lui, il est un peu con. On va passer en mode régène. Voilà, le temps que le dernier souffle revienne, parce que sinon on va mourir. On va essayer de préparer des bombes tout en se soignant. Voilà. Malgré la rémission, il fait quand même des dégâts. Ça va, je vais savoir la soigner quand même. Et moi, me régène. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas 1 sur 2, nous, avec le Thanos? 1 sur 4. Il a réussi à la tuer. Putain, il est balèze. Je mets peut-être derrière celle-là, peut-être qu'il va taper la bleue maintenant. Parce que, à vrai dire, la bleue, je m'en fous un petit peu. On va protéger celle laquelle je suis derrière. On va attendre de remonter à 2000 de vita à peu près. Et quand il sera prêt, on va lui envoyer la sauce. Voilà, 2000 de vita. Faudrait qu'il avance, hein. S'il vient près de moi, au moins dans la ligne. Putain, tous les PV que je me fais chier à me régénérer, il me les dépop en un tour. Il va être obligé de venir, là. Ça c'est bon. Il va se prendre combien? Ouais, on va faire ça. 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 Ça aussi. Tu viens là, tu aspires ici. On fait le tour. On le pousse dedans. Il se prend 600 et voilà, il est mort. Il est mort! Et voilà, on s'en sort avec pas beaucoup de vita, mais on a quand même géré. Je pensais vraiment pas que j'allais gérer. J'ai joué beaucoup trop bourrin en fait. Faut vraiment que je rapprenne à jouer tactique avec le roublard, ça fait longtemps. Bon, sans bot, on s'en sort pas mal pour le moment. Donc ça va être des bots qui vont nous amener 1 PA, 1 PM, 1 PO, 15 de soins, des résis critiques, de la mort, de l'initiative, des résistances. Soit plein de trucs totalement cool et on est toujours full sassa avec tout ça. J'ai pas regardé les résistances 0. On va avoir 12% avec les bots 9 0 7 7, mais par contre des résis fixes sont pas mal. Et donc voilà, ben je crois qu'on va se laisser là aujourd'hui, hein. En tout cas un épisode un peu je sais pas moi, fun. Enfin, libre antenne, je sais pas comment on peut appeler ça. Où j'avais fait un peu ce que je voulais. Voilà, Capi fait ce qu'il veut, voilà. Et on s'est un peu baladé, on a restuff le roublard. Maintenant, il faut que je le passe 199. Donc ça va être plus dur. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Ben moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Moi, je vais partir pour un Coliseum quotidien avec vous, encore une fois.
Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao!